suivre, je voudrais néanmoins souligner l'importance dans une salle de théâtre de la scène. Celle-ci se compose de différents éléments, dont un des plus importants, le revêtement. Celui-ci doit-il être constitué d'une moquette, comme ici, ou d'un parquet plus traditionnel? Là est la question. Nos invités vont tenter de répondre à cette épineuse question. Moi, je suis pour la moquette, parce que si dans une scène, quelqu'un se casse la figure, il faut qu'il soit protégé. Le parquet ne protège pas, la moquette, si. Oui, mais votre moquette, si on y met du sang, de la barbe, ou je ne sais quoi, eh bien ça ne part pas. Mais arrêtez! Voici le résultat, là. Mais arrêtez, un peu de sérieux! Nous ne sommes plus au 18e siècle. Il y a des moquettes spécialisées pour le sang qu'on peut nettoyer. Eh bien, écoutez, j'attends pour voir. Parce que pour l'instant, vous parlez beaucoup, mais les résultats, on les attend toujours. Et les Français ne sont pas dupes. Non, madame, les Français ne sont pas dupes. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous dire... Eh bien moi, j'ai une question à vous poser. Y a-t-il des vampires ou des morts vivants qui jouent sur votre parquet? Bien sûr, des tas de monstres travaillent dessus. Tout est possible sur le parquet. Tout est possible. Mais monsieur, enfin, moi je vous parle du présent. Le présent, c'est une moquette qui peut adoucir les chutes et absorber le sang. Bien sûr. Le parquet ne le fait pas. Mais vous savez qu'il y a aussi des parquets anti-glisse. Oui, malgré tout, si vous tombez sur une flaque de sang, vous ferez très mal. C'est justement le nouvel enjeu de ces prochaines années. La science est en train de mettre au point les parquets qui vous voyez qui pourraient le suivre. Alors là, c'est la fête. Monsieur se croit en pleine science-fiction. Mais avez-vous une idée du tel coup que va représenter un tel projet dans le budget? Moi, je vous parle de présent, monsieur. Le présent, c'est une moquette qui peut adoucir les chutes. Ce que ne fait pas le parquet. Alors, concernant les risques liés aux chutes, je crois qu'on a bien compris votre position à l'heure et à maintenant, ce que les Français aimeraient savoir. Je crois que c'est une question que vous avez soulevée, je pense. C'est en termes de... Quels sont les coûts que peuvent représenter un revêtement pour le sol? Justement, la moquette est beaucoup moins chère que le parquet. Et ça, je pense que ça intéressera tous nos concitoyens qui sont durement touchés par la crise. Et le pouvoir d'achat est en chute libre. Monsieur, vous ne prenez pas en compte le pouvoir d'achat des Français. Le coût financier est une chose, madame. Mais le coût de la nature en est une autre. Je veux que le remarque que cette moquette-là, il faut la laver et fréquemment. Et il faut utiliser un produit qui pose d'une matière écologique. Tandis que les parquets, on peut les tirer une fois par an. Tenez, regardez cette tache du sang. Vous pouvez l'enlever, cette tache. Vous pouvez l'enlever. Bien sûr. Bah, allez-y. Non, désolé, ce n'est pas mon travail. Ça, c'est le travail de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas écrit dans le contrat. Alors m'entraînez comment vous faites, vous, puisque vous passez votre temps à critiquer. Mais pas les faire là-bas. Prenez votre temps. Moi, j'ai tous les miens. Là, la tâche commence à partir. Mais bien sûr, il faut du savon. Vous me dites, vous ne voudriez pas venir là, non? Parce que... j'ai horreur de me mettre accroupi. Et si vous pouviez vous mettre à genoux, histoire de montrer à tous nos téléspectateurs que la classe politique n'a pas peur de se retrousser les manches. Non, je vous en prie, vous faites ça très bien. Là, la tache de sang est partie. Encore une fois, j'ai raison. Mais attendez, j'avais juste une moussée. Si vous n'enlevez pas cette moussée, elle va rester sur la moquette. Et du coup, elle va tâcher la moquette. Très bien, j'ai compris. Là, j'ai des poches mouillées. Voilà, j'ai récupéré la mousse. La tache d'absent a disparu. Il n'est pas extraordinaire non plus. Ben, attendez au moins que ça sèche avant de juger. Bon, de toute façon, moi, je vous ai montré ça à titre d'exemple.
J'ai fait des études, moi. Des études pour m'en sortir dans la vie. Et ne pas me retrouver à genoux à faire mousseux de la moquette. Sauf que c'est exactement ce que vous venez de faire. Ce monsieur. Et alors, qu'est-ce que vous voulez prouver? Que j'avais encore du pain sur la planche. Ben, je pense que nous allons conclure ce passionnant débat. La semaine prochaine, nous allons faire notre grande soirée. Comment tuer son conjoint? Avec un nouveau débat, si sautage ou cigarette. Bonsoir. La petite fourmi, elle est repartie en portant toutes ses choses. Quand elle a vu ça, croyez-moi, elle n'a pas fait de pause. Reprise à tourner sans se retourner, j'entends des airs qui passent. Vous fichez de moi ou quoi? Si vous voulez bien abréger, de toute façon, je ne la prenais pas peur de vous.
veux pas venir voir, maman. Moi aussi, tout à l'heure, j'ai eu des problèmes avec ma radio et je ne suis pas allée vous déranger pour autant. Ça s'appelle les parasites et même que c'est pas de tout. Allez, on va vous raconter une belle histoire. Eh bien, merci de votre gentillesse. Au revoir, maman. C'est ça, à l'année prochaine. Non, mais qu'est-ce que je suis en train de chanter là? Thank you.
suis trop fatiguée pour ouvrir la bouche. Bon, allez, oh, assez félicitant pour aujourd'hui. La jeunesse, tu ouvres la bouche et moi je vais mettre la soupe de dame. Des trucs. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais? Je vous fais marcher.
dans la forêt. Bon, allez, on marche. Non. Moi, j'ai vu sur le journal Guy. Alors, je pensais que Guy, vous saurez ce que c'est. Ce que c'est, ça. Ben, écoutez, je suis guide, moi. C'est tout. Je vous guide dans la forêt. Après, si vous voulez partir, enfoncez-vous. Bon, vous venez ou pas? Si elles nous découvrent qu'on les a prévenus, nous risquons de les ramener en bas.
ces trois monstres, c'est eux qui finiront comme nous. Oui, mamie. Tout le monde est avant qu'elle n'arrive. Comme il vous verra, monseigneur, nous risquons gros. Mais il est vrai que c'est pas un gros bâtiment. Vous n'arrivez pas le sport plus de la fin. Ouf, elles sont parties. C'est quoi cette histoire?
devenu. Il faut être trois pour la trouver. Et alors seulement à ce moment-là, il est possible de faire venir vos amis ici. Mais nous avons échoué. Comment elle est, votre pierre? Elle est grosse comme une œuf de caille. Elle brille. Elle a la couleur du grand attirant sur le noir. Courage, je l'ai trouvée. Je l'avais prise pour l'ouvrir. Montrez-moi. Mais oui, c'est bien elle. Et vous êtes trois, mes enfants. Pas une seconde à perdre. Tenez-vous par la main pour nous que nous réciterons la formule. Yeah.
Je suis soudain de la jeune.